Bonjour à toutes et à tous, on va travailler sur la notion de fonction composée. C'est un peu à la limite du programme, mais c'est des formules que vous utilisez tout le temps, donc c'est quand même bien de le savoir, pour prendre un petit peu de recul sur les choses. Alors, dans le chapitre de première S sur la fonction exponentielle, par exemple, on vous dit à chaque fois, la dérivée de exponentielle u de x, c'est quoi? C'est une formule qu'il faut connaître par cœur, qui est u' de x fois e de u de x. Ok, formule que vous avez déjà vue. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la fonction exponentielle, vous avez vu les dérivées, et on a dû, probablement dû vous dire, par exemple, la dérivée de racine carrée de u de x, alors c'est une formule qu'il faut apprendre par cœur, c'est u' de x divisé par 2 sur racine carrée de u de x. Voilà. Toutes ces formules-là, en réalité, elles viennent d'une même formule, qui est la notion de fonction composée et dérivation de fonction composée. Alors, ces deux formules-là, je vais les prendre en exemple, mais il y en a d'autres hein, que vous connaissez. Par exemple, on a probablement dû vous faire apprendre la dérivée de la fonction sinus u de x, et vous apercevez que c'est ceci la formule, c'est u' de x multiplié par cosinus u de x. Alors, je vais effacer ces trois formules et je vais vous reparler de la dérivation des fonctions composées. Alors, à chaque fois, et je vais prendre un exemple à chaque fois. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo qui précédait. Quand vous avez une fonction de ce style-là, qui a x associé ici, f de x, et ensuite je calcule g de f de x, et que ça, c'est la fonction g. Bien, et si cette fonction-là, je l'appelle phi, par exemple, je vous ai dit que la dérivée de phi, c'était en réalité la dérivée de la fonction suivante. Et pour calculer la dérivée de cette fonction-là, on calcule d'abord la dérivée de g, et on calcule g' de f de x, et à la fin, on multiplie par f' de x. Alors, il faut vous convaincre qu'en réalité, si jamais on vous demande de calculer cette fonction-là et de faire sa dérivée, x qui associe u de x et qu'ensuite on vous demande de calculer racine carrée de u de x, par exemple, mais en fait, on va tomber sur les formules du cours que vous connaissez. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant que on a un peu plus d'expérience? Eh bien, on va appliquer cette formule à chaque fois. Il faut juste arriver à savoir qui est f. Et qui est g? Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette quantité et on calcule sa racine. Donc, pour calculer, il faut bien évidemment connaître les formules classiques, mais la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Voilà. C'est ça qui est à la base de notre calcul. Donc, si ici c'est un grand x, par exemple, ici vous devez calculer racine de grand x. Alors, comment faire ça? Et comment calculer cette dérivée? Cette fonction-là, je vais l'appeler phi, par exemple. Eh bien, pour calculer la dérivée de phi, je vais d'abord m'apercevoir que j'ai affaire à g de f de x et que je dois le dériver. Pour faire ce calcul, d'abord, je fais la dérivée de g. Donc, je recopie la formule qui est ici. C'est g' de f de x. G' de f de x. Le tout multiplié par la dérivée de f. Là, toute la difficulté est d'identifier qui est f, qui est g. Alors, la fonction g, c'est celle-ci, et c'est la fonction qui a x, pardon, associée racine carrée de x. La dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 racines. Donc ici, je vais écrire que c'est 1 sur 2 racines carrées, mais attention, c'est racine carrée de quoi? De f de x. Et f de x, c'est quoi? C'est cette quantité-là. Donc ici, je vais vous l'écrire un peu plus proprement. Je vais obtenir quoi à la fin si je le réécris? Alors je vous laisse faire le calcul de votre côté. Eh bien à la fin, on obtiendra quoi? G prime, la dérivation de la fonction racine carrée. Donc 1 sur 2 racines de f de x ici, attention, c'est cette quantité, u de x, multiplié par la dérivée de f. F, c'est cette quantité-là. Donc ici, on a affaire à la dérivée de u. Et vous apercevez que vous obtenez
la formule que vous avez vue dans la leçon, qui est comment est-ce que je fais pour calculer la dérivée de racine carrée de u de x? C'est u' de x sur 2 racine carrée de u de x. En effet, ce calcul-là revient à faire ceci. Et vous avez la formule de la leçon. Voilà, et c'est la même chose pour la formule de la fonction exponentielle. Je vous remercie et à très bientôt sur educative.fr.